Les scientifiques calculent le moment de l'année où l'humanité a consommé la totalité des ressources que la planète est capable de produire en un an. En 1987, ce jour arrivait le 19 décembre. En 1995, le 21 novembre. En 2005, le 2 octobre. En 2008, c'est le 23 septembre. Nous commençons alors à accumuler une dette écologique. Cela veut dire que nous vidons les mers plus rapidement qu'elles ne peuvent se régénérer. Nous coupons les forêts plus rapidement qu'elles ne repoussent. L'humanité dilapide ainsi le capital de la planète. En 2008, pour supporter de façon durable notre façon de vivre, sans hypothéquer notre avenir, il faudrait 1,4 planète comme la Terre. En 2050, il faudra 2 planètes Terre. Rien de rassurant. Et ce serait encore pire si tous les humains consommaient autant que les Canadiens. Il faudrait alors, dès maintenant, plus de 4 terres pour satisfaire notre soif de consommation. Il ne faut donc pas s'étonner si la planète se dégrade et si ses ressources s'essoufflent. L'humanité est trop gourmande.